Bonjour. Pour les accès de l'hôpital Saint-Antoine, Vénalie, étudiante en chimie et biochimie depuis l'année 2010, réalise pour le compte de cet établissement un résumé sur le médicament, non pas de prédilection, mais un médicament utilisé par en tant que médication familiale, qui est Rhinocor, pour déterminer si ce médicament est plus sous contrôle par le pharmacien, éventuellement le médecin, délivré sous ordonnance, ou elle peut passer avec Vénali, Bayer-Isker, médication familiale, avec deux pchit et terminé. D'abord, des critiques. Ce qu'on constate pour ce médicament dans un premier temps, c'est que la pulvérisation n'a pas donné de cible directe, c'est-à-dire pas, ça ne n'atteint pas vraiment les cellules. On ressent une goutte d'eau sur la semelle et ce qu'on pense dans un premier temps, c'est le mélange. Est-ce qu'il est à revoir? Alors, je suis allée d'un peu plus près voir ça. Effectivement, c'est une solution où il y a un mélange, ou plutôt le composant ribonucléoside n'est pas totalement soluble. Donc, ce qui vient à dire qu'on met un bout de solide sur colle sur le nez et puis voilà. Par contre, l'avantage, c'est que ça n'atteint pas les sinusites jusque dans le nasal et c'est pas dérangeant.